谢谢主持人。总理您好，我是新华社记者。最近几年呢，互联网加和共享经济发展的势头非常的迅猛，但是呢也出现了一些问题，未来的发展呢可能也还有一些障碍，所以想请问总理，您对此怎么看？未来呀，政府对推动互联网加有什么新的举措？谢谢。Quelles sont les mesures que le gouvernement va prendre pour promouvoir le développement d'Internet Plus? The model of Internet Plus has been widely used in recent years, and there has been a boom in sharing economy development. However, in this process, some problems have cropped up, and their development may face some hurdles in the future. How do you see the situation, Mr. Premier, and what will the government do to see further new development of the Internet Plus model? 如果说中国经济这艘巨轮这几年能够行稳致远，其中一个重要的原因就是在世界科技革命新一轮的浪潮当中，成功的把互联网加这个红利它推升了。c'est qu'elle est étroitement liée à l'Internet Plus. Nous avons effectué la réforme des administrations pour revitaliser le marché. Tout cela est lié entre eux pour éviter un atterrissage dur de l'économie chinoise. Comme vous le savez,la situation économique de Chine a changé ces dernières années et nous sommes dans une voie de développement à pas soutenu. Tout cela constitue des raisons importantes. Transformed government functions has helped to energize the market. Consumption has become the biggest driver of China's development, and there has been a fundamental change in China's economic structure. All these are closely interconnected. We may still recall that in previous years we have heard repeated prophecy of China's economy having a hard landing. But we have managed to sustain a sound momentum of economic growth. All these aforementioned aspects have played their important roles. Internet Plus a non seulement revitalisé l'économie, mais il constitue la plus grande plateforme d'économie partagée. Cela permet à une scène très immense pour l'entrepreneuriat et l'innovation. C'est pour cela que ces dernières années, la vie des Chinois a eu des transformations et des changements profonds. Et cette situation permet aux entrepreneurs et aux chercheurs d'avoir plus d'opportunités et permet à la masse populaire de valoriser leur avantage et leur potentiel. The Internet Plus has represents the largest platform for sharing economy, giving opportunity for our people to pursue their own entrepreneurship and make innovations. It has made a big difference in China's economic and social development and also profoundly changed the way we work and live. Under this, in this context, the technological professionals, the business people, or average people can all tap into their unique talents and potential and have the opportunities to realize their own potentials and pull together their talents. 当然，互联网加作为一个新的事物，它也有这样那样的问题。Nouveautés, il existe différents problèmes, différentes questions. Ce que nous devons faire, c'est valoriser les avantages et diminuer les désavantages. Nous devons effectuer une régulation de manière tolérante et prudente. Il ne faut pas, pour éviter tout trouble, fermer d'emblée ou bien éradiquer d'emblée les nouveautés. Et nous ne devons pas autoriser aucun acte d'escroquerie, etc.
pour noircir Internet plus. Donc nous devons prendre des mesures pour bien protéger cette nouveauté. In exercising regulation over new things, we believe the government needs to adopt a prudent yet accommodative approach instead of just trying to shut new things down out of hand, because that would easily and obviously be the easier thing to do. But at the same time, we should also fight any malpractice trying to take advantage of the Internet Plus model to cheat the marketplace. We must protect this new driver of growth from both aspects. 下一步我们要开始推动互联网加的许多新措施，比如说过去一些互联网加的企业，现在我们已经要求他们完善国内的一些措施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 ，现在我